Mesdames, messieurs, bonsoir, au sommaire du JT Nokami. Ce matin, le navire du pirate Monkey D. Luffy s'est échoué mystérieusement dans l'étang des épines. Une capsule corpse s'est écrasée sur le terrain de foot de Morlanway. Une invasion sauvage de Pokémon s'est déroulée dans le parc de Marimont. Et une séance de dédicace aura lieu à la bibliothèque de Morlanway en la présence de Pikachu et de Ixor. Depuis un an, un phénomène étrange est apparu dans le village de Carnières. Nous retrouvons immédiatement nos envoyés spéciaux sur place. Oui, tout à fait, Glantine. Tout de suite, nous allons les retrouver. Greg, Guillaume, vous nous recevez ? C'est à vous. Chers auditeurs, suite à un problème indépendant de notre volonté, le reportage que vous allez entendre n'a pas pu être déployé à temps. Le temps de déployer tout ceci, nous vous offrons une transition Pikachu faite par nos soins. Oui Valentin, je vous reçois, mais ce n'est pas Greg, c'est Lauriane. Je suis en direct dans la place de Carnières, où ce fameux phénomène est apparu. Je vais aller interviewer quelques personnes pour en savoir plus. Bonjour monsieur, j'ai quelques questions à vous poser. Oui, pas de problème. Que pensez-vous des mangas ? Ah les mangas, j'adore les mangas. Surtout One Piece. Surtout le One Piece. Mais malheureusement il s'est parti un peu en cacahuète après la mort d'Ace. Merci. Avez-vous vu la dernière version de Dragon Ball ? Oui. Mais je me suis arrêté à... la version Z. Bonjour madame, j'ai une question à vous poser. Qui pensez-vous être le père que porte Achille ? Ah ben je pense que c'est son compagnon actuel, Camille, je pense. En tout cas, je pense. Monsieur, connaissez-vous le Festimanga ? Oui, c'est le festival qui se passe tous les ans ici au Sablon, à Carnières. Merci. Suite au fait que la caméraman est une sacrée quiche et qu'elle avait oublié de mettre des piles dans sa caméra, nous vous offrons une transition Nyan 4 pour vous faire patienter le temps de recharger les batteries de notre chère caméra adorée. Je sais pas, il y a une explication. Ah, c'est pas lire. Mais c'est pas ça. Suite à un incident indépendant de votre volonté, incluant un concierge fou, nous vous offrons une transition pour vous faire patienter. Mais l'histoire n'oubliera jamais ce Pikachu mort sous les assauts de Metal Sonic. Mais revenons-en à nos reportages. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est le père Fouras ! Qu'est-ce que vous faites là ? Quel Festimanga ? C'est pas aujourd'hui le Festimanga ! C'est le 1er octobre 2016, vous vous êtes trompé de date ! Et vous filez d'ici ou j'appelle la police ! Vous êtes encore là-bas, le sale jaune ! Qu'est-ce que je vous ai dit ? Cassez-vous.
Vous voyez ici la progression de Glandalf le gris, d'un Pikachu et enfin je sais pas ce que c'est on dirait un drap de vaisselle. Ouais. C'est Connard le barbant. Donc on a les deux lapines de Noël en face aussi. Noël, oh, tu te calmes, t'as pris. Bah quoi. La communauté de l'anneau se forme. C'est une belle communauté. Ouais, ouais. La communauté. Non mais là, c'est la communauté de la flemme en fait. On a Glandalf le gris, on a une lapine de Noël et sa sœur. On a un Pikachu. Et Connard le barbant. On a Connard le barbant, ouais.